Lucille, l'amour est dans le pré, va devenir maman d'un petit garçon au mois de juillet. Ce mercredi 3 mai, elle a fait une mise au point sur Instagram après avoir reçu une série de commentaires désobligeants sur son physique. Lucille et Jérôme filent le parfait amour depuis leur rencontre dans l'amour et dans le pré. Les deux tourtereaux sont les heureux parents d'une petite capucine, qui a vu le jour en octobre 2021. Ils avaient profité de leur voyage de noces pour annoncer qu'ils allaient devenir parents pour la seconde fois. Et ils vont accueillir cette fois un garçon, comme ils l'avaient dévoilé dans une vidéo très originale. Le bébé devrait voir le jour au mois de juillet, les préparatifs pour l'accueillir vont donc bon train et Jérôme met la main à la pâte. Lucille partage, elle, avec ses abonnés sur Instagram l'avancée de sa grossesse et ses petits désagréments. Je me montre toujours depuis le début sans filtre et avec mes kilos, mais la jeune femme a été contrainte de faire une mise au point, ce mercredi 3 mai, après avoir été victime d'attaques odieuses sur son physique. Comme elle l'a rappelé, elle tient à apparaître au naturel sur le réseau social, n'en déplaise à certains. Je n'ai pas l'habitude de répondre aux commentaires désobligeants et agressifs parce que profondément je n'en ai que faire. Je suis heureuse et épanouie. Mais pas contre, je suis particulièrement attachée aux droits des femmes et à leur respect. Nous sommes bombardés par des images de femmes au corps transformé et je me montre toujours depuis le début sans filtrer avec mes kilos. Là encore, je suis en accord avec moi-même, donc la méchanceté ne m'atteint pas, a-t-elle tenu à rappeler. Mais Lucille n'a pas caché qu'elle pensait aussi à l'avenir de Capucine en découvrant ses attaques. Simplement, je prie chaque jour pour que ma fille ne subisse pas ce diktat du corps pseudo-parfait et qu'elle soit simplement heureuse d'être belle telle sera et comme elle le voudra, a-t-elle conclu ce premier message. Lucille répond à ses détracteurs. La femme de Jérôme a ensuite dévoilé quelques exemples des messages qui l'ont amené à faire cette mise au point. Heureusement que tu es enceinte et que tu peux te permettre, mais le retour à la silhouette correcte après bébé va être long et dur, pouvait-on par exemple lire dans ses stories. Un autre l'attaquait sur l'apparence de sa peau. Elle a ensuite partagé la réponse qu'elle a adressée à ses détracteurs. Mais vous devez être tellement malheureuse pour dire de telles méchancetés. Point, si est-il quand même fou, quand une femme se montre au naturel. Elle se fait agresser par des gens comme vous. D'autant plus choquant que vous êtes une femme, leur a-t-elle asséné. Chacune fait ce qu'elle veut, vous devriez avoir honte avec de tels propos rabaissants pour les femmes, a-t-elle conclu. À lire aussi comme on a un heureux événement qui arrive, Lucille et Jérôme, l'amour est dans le pré, franchissent une nouvelle étape pour préparer la venue de leur bébé.